Yo les amis, c'est Viker, très content aujourd'hui de vous retrouver pour le deuxième épisode de ce cauchemar, de cet horrible cauchemar de Scorn. Vous l'avez compris, c'est pas un jeu de tir à la première personne, même si on va avoir des ennemis à un moment donné. C'est plutôt une expérience où on explore, où on doit regarder, où c'est un peu notre intelligence qui est mise à l'épreuve via des énigmes, via notre façon de se repérer dans l'espace. Le but, je pense, du jeu, c'est de se comprendre qu'est-ce qu'on fait là, qui on est, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et vous allez voir dans cet épisode qu'on va apprendre des choses, en tout cas des pistes pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Au menu, les amis, des énigmes. Encore une fois, une direction artistique complètement folle, des ambiances dingues et quelques jumpscares. Donc j'espère que ça va vous plaire les amis, n'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne, c'est un bel épisode qui vous attend. Merci d'être présent, abonnez-vous pour pas louper les prochains épisodes et c'est parti pour ce deuxième épisode de Scorn. On replonge dans le cauchemar. Waouh, où est-ce qu'on est? C'est quoi ce délire? Ok, je peux avancer? Je peux pas avancer pour l'instant. Oh! Ah, on est comme... on est dans une espèce de truc chelou. On a un... on a comme un cordon ombilical, les gars. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ah, c'est... waouh. Ah, on était dans un œuf en fait. Vous avez vu, il y en a plein autour de nous. Waouh. Ok, il y en a qui s'en sont moins sortis que nous. Moins bien sortis que nous. Waouh, ok. Oh, où est-ce qu'on est tombé? Oh mon dieu. Le cauchemar continue. Oh my god. C'est quoi? Les gars, c'est vraiment comme un genre de cordon ombilical. Oh mon dieu. Pourquoi j'ai déjeuné avant de faire cette vidéo? Ok, waouh. Putain, mais l'ambiance est folle quoi. Ok, c'est bon. On a le contrôle de notre personnage. Yeah. Où est-ce qu'on est? Il y a des cadavres partout, mais nous, on est vivant pour l'instant. On a réussi à sortir le truc de notre bide. Et ça ressemble à... au rêve qu'on a fait dans... enfin, la vision, je sais pas si c'est un rêve, une vision... qu'on a fait dans l'épisode 1 où il voyait effectivement comme un désert. En tout cas là on n'est plus dans... oh, c'est quoi cette horreur là? En tout cas on n'est plus dans l'espèce de caverne, de vaisseau, je sais pas trop. On est à l'extérieur en vrai. Yaaah. Putain, c'est ouf. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc rouge dégueulasse là? C'est affreux. On dirait des tripes ou tu vois un délire comme ça. Ah, là on dirait une partie du... alors j'ai pas envie de dire du vaisseau parce qu'on sait pas en fait. Oh! D'accord. Ok. Je peux pas aller là. Vrai que je dois sauter? Non. Je peux pas sauter. On va aller voir par là. Putain mais je vous jure, c'est trop bien fait. T'as l'impression d'être dans un film Alien, dans un film Prometheus quoi. C'est incroyable. Bonjour. En tout cas, on semble de la même famille. On a exactement le même style quoi. Le style sans peau en fait. Skinless.
Yeah. Je pense que le chemin c'est par là, les gars. On va continuer. Putain, mais c'est immense. On est sur quelle planète, s'il vous plaît? Bonjour, je ne veux jamais y aller. Ok, là-bas, je suis sûr que c'est par là. Une espèce d'arche, là. Oh. Oh, l'ambiance sonore. Mettez un casque, augmentez le son. C'est fou. Mais c'est quoi tous ces cadavres? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? On dirait cette espèce de truc rouge à... a pris possession, tu vois, des... What the fuck? La tour. Les gars, il y a la tour. On dirait ce truc rouge à... je sais pas, à tuer tout, en fait. Il y a eu un massacre, en fait. Je pense. Je pense que... c'est peut-être comme un virus, tu vois, qui a massacré tout notre peuple. C'est ouf. Putain, je dois aller où? Bah, cette tour, elle est folle. Là, on dirait comme une... on pourrait penser que c'est un genre de bâtiment, tu vois, en vrai. Je sais pas, on dirait que, tu vois, il y a des morceaux qui se détachent du bâtiment. Tu vois, c'est chelou, ça. Wouah! Oh, oh, l'immensité, les gars. Ça me donne des frissons. Regardez-moi ça. The Wall. C'est immense. Je suis choqué par la taille du mur, en vrai, tu vois, on est tellement petit. Putain, je sais pas où je dois aller, je sais pas si c'est le bon chemin, tu vois. Ah. Waouh. Putain, on peut se rapprocher du mur là pour voir un peu le délire. Le délire que c'est là. Oh, oh bec. T'es mal le truc. What the fuck? Franchement, c'est ouf. Je pense que c'est par là. J'en sais rien du tout, mais je pense que c'est par là. Je sais pas pourquoi. Il y a de la lumière, je me dis. Ah, il y a une entrée, les gars. Les gars, on a trouvé une entrée. On va y aller. On va rentrer, hein. On va rentrer dans cet immense bâtiment de fou. Oh, il y a des bruits. J'ai peur que d'un coup, il y a quelque chose qui me saute dessus. Je me dis, on n'est pas seul, c'est pas possible, tu vois. Pas être le seul survivant. What? Ok, on est en rentrée dans l'immense bâtiment, en fait, qu'on a vu. Là, il y a une porte. En tout cas, c'est cassé. Waouh, c'est quoi cette dégueulasserie là au sol? Ah non, je peux pas rentrer là. Ah, là-bas, il y a une petite lumière. Putain, faut faire attention, hein. Faire attention aux détails, hein. Je suis pas sûr de vouloir rentrer, mais on n'a pas le choix, les amis, si on veut sortir de ce cauchemar. C'est... Vous avez entendu? Oh, sa mère! Oh, sa mère, non! Il y a un truc qui a bougé.
Oh, ta race. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai pas d'armes, j'ai rien. Wesh. Oh my god, donnez-moi une arme. Donnez-moi une arme. C'est quoi ce truc? Je savais qu'on n'était pas seul, c'était pas possible. C'est quoi ce truc dégueulasse? On dirait qu'on est dans un nid. J'entends des bruits de ouf. Oh putain, il est là. Je fais quoi avec ça, moi? Putain, l'enfoiré. Là, on est dans Alien, les gars, là. Là, c'est quoi, là? Putain. C'est quoi, c'est écrit? C'est quoi, c'est bizarre, ça, cette couleur rouge comme ça, là? C'est vivant. Ok, je peux pas l'activer. Là, je peux. Non? Je peux pas. Il y a un truc à faire avec ça, là. On dirait un espèce de cœur, ou tu vois, qui envoie avec des pompes dans les différents tubes. Oh my god, ok. Bon, pour l'instant je peux rien faire ici. Là y a une porte, mais c'est quoi ce truc? C'est un outil? Un nouvel outil? Ok, on l'a dans l'autre bras droit. Ok, ces portes là on peut toujours pas les ouvrir. Ce qui est ouf, c'est que je me dis, dans le premier niveau aussi on y avait des portes qu'on pouvait pas ouvrir. Donc ça veut dire potentiellement qu'on va y retourner. Attends, je regarde bien parce que des fois il suffit de louper un détail et t'es parti pour galérer. Donc là je pense qu'avec l'outil qu'on a récupéré, on va pouvoir le mettre dans le... Vous savez, dans... Bah dans le truc là. Dans le fion, quoi. Là-dedans. Voilà. Cool, cool. Ça, c'est toujours fermé. Pourquoi ça fait du bruit? Tac, je mets les doigts dedans. Ah, ça fait descendre une passerelle. Ok. C'est bien ce petit ascenseur où tu fous tes petits doigts dedans, là, comme ça. Perso, je préfère nos ascenseurs simples, tu vois, bouton, c'est bien, c'est parce que j'en ai... Wesh, mettre les doigts comme ça. Oh, wow, wow, wow. T'arrêtes. Il me suit, en fait, il me ziote. Ou est-ce que c'est moi qui le suis, peut-être? On se suit? Faut monter là-dedans.
On n'a pas le choix. Ok. Oh. On s'est frayé un petit chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Mais je me dis que maintenant je peux avancer. Ah. Ok, je pense qu'il faut les... Pourquoi il arrête pas de tourner le truc? Attends. Tac. Il est rapide. Donc ça, je peux le tourner, ok. Attends, attends, faut que je comprenne le mécanisme du truc, c'est quoi ce bordel? Ça fait un genre de truc comme ça. Il est trop rapide, attends. À mon avis, faut que je les aligne. Mais comment je bouge? Je suis du milieu en vrai. Attends, hop. Non, 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 non. Là, je peux le bouger tout autour, ok. Là, c'est bon. Je l'ai verrouillé, ok. Faut aller vite en fait. Faut aller juste vite. Ok, ok. Celle-là, c'est vraiment une question de tempo. Non. Ah non, pas seulement, pas seulement. C'est... En fait, j'ai pas trop compris, mais je sais qu'à un moment donné, ça... il se cale dedans quoi. Je pense que c'est une question de vitesse aussi. Hein. Pas forcément. Là, c'est bon, ok. Pas forcément de vitesse, mais de. Voilà, ici. Normalement. Les deux en fait. Non, il s'arrête ici. Oh. Ah dommage, il s'était calé. Ok, à un moment donné il se cale en fait. Tac. Tac. Voilà, ok. Faut avoir le bon tempo. Et voilà, sur la lumière. Ça va. Ok, donc on a modifié notre outil, maintenant il y a de la lumière dessus. Donc ça veut dire qu'il peut faire autre chose. Mais je ne sais pas encore quoi. Monsieur, il faut partir, c'est mon tour. Je suis désolé. Ah, j'ai pas de... Vous savez le petit pic là. Le petit pic qu'on s'était fait greffer dans le premier épisode. Bah il faudra en trouver un. Ok, faudra peut-être modifier le tube là. Oula. Alors, il y en a combien? Il y en a deux? Il y en a trois? Ok, on va essayer de suivre d'abord de gauche. On va aller voir dans cette salle là. Oh. Vraiment? Je vais me faire découper. Oh là là. Il est encore là lui. Putain, il y a vraiment des cachettes partout. J'avais même pas... J'ai failli louper ce... Le chemin. Oh my god. Qu'est-ce que je fous là, putain. On dirait l'équivalent de l'autre, mais qui est celui-là, il est mort en fait. Vous savez le truc rouge là qu'on a vu tout à l'heure, on dirait la même chose, mais là c'est la version éclataxe.
Putain, je vais me perdre, Ah, je suis arrivé de l'autre côté. Ok. Ah bah je peux peut-être le débrancher du coup. Je les enlève tous hein, je pense, je sais pas. Ouais, je me dis je les enlève tous. Comme ça je pourrais passer. Ok. Bon voilà, on a stoppé le... le réacteur. C'est quoi ça? Wesh. C'est chiant, moi. Qu'est-ce qu'il me fait? Les gars, je peux rien faire. Prends l'arme. On est... attends. Il... quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il est sur moi le gars je crois. Hein. Je vous jure c'est vrai. Regardez. Je sais pas, on a des bras dans le corps. Et on a récupéré notre arme. Ah mon dieu, il m'a fait trop peur le bâtard. Ah le chien. Je m'y attendais tellement pas. Oh putain, ok. Laissez-moi reprendre mes esprits 2 secondes. Ça on l'a débranché. Maintenant on a retrouvé notre harpon. Mais je crois qu'ici il y a rien, il y a R. On peut se barrer. Non, c'est pas par là, c'est par là. Putain, et du coup il est sur nous, vous croyez? Ouais, c'est lui je crois. Hein. Je pense qu'il est dans notre dos en vrai. Je pense qu'il faut aller dans une autre salle maintenant. Quoique, on peut passer là. Hein. Maintenant qu'on a... voilà. C'est ça qu'il fallait faire. Attends, je regarde juste si... est-ce qu'on peut aller de l'autre côté aussi? Non, c'est que un côté. Donc c'est là. Ok, on avance. Commence même pas à me sauter dessus là, je sais pas y'a quoi. C'est bon. Ah, c'est le même principe que tout à l'heure. Merde, c'était... faut trouver le bon moment. Voilà, là c'est bon. Non. Non. Ah c'était là, c'est là. Putain merde. Merde. Ah c'était là-haut. C'est là-haut, c'est là-haut, c'est là-haut. Non, il faut qu'il fasse un tour, je pense. Merde, j'avais eu là. Putain, fais chier, j'étais dessus. Faut qu'il refasse encore un tour. Ah, bah, c'est bizarre. Oh, c'est chelou ça. Pourtant, je pense que je suis dessus, mais. Non, non, c'est bien là-haut, hein. Normalement. Faut juste qu'il arrive au bon moment. Enfin que je le tape au bon moment. On va attendre. Encore un petit tour, un petit tour, un petit tour. Aïe. Ok. Donc c'est là-bas. En fait on entend le bruit en fait. Hein. Quand il se met dedans, on entend clac. Donc c'est à cet endroit-là. Voilà, paf. Bon en fait c'est plutôt simple, ça va. Ok, on a encore modifié notre outil. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, on va aller là.
On va prendre l'ascenseur. Ah voilà. On est le petit picot. On est le petit pic les gars pour modifier, enfin pour avoir modifié notre bras. Ça c'est fait. Ça c'est l'ascenseur. Et donc là. Ok, là il nous fallait le l'arbre qu'on a récupéré. Le grappin. Le grappin. Je suis censé aller où? Donc ça, on peut toujours pas l'ouvrir. Ah oui, on est revenu là où il y avait le cadavre. Là où on lui a pris l'outil en fait. Ok. Donc je suis pas sûr du coup. À mon avis, il faut remonter. Quoique. Si on a ouvert cette porte, c'est peut-être qu'il faut repartir un petit peu en arrière. On va regarder. Ah ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc maintenant. Avec l'outil qu'on a. Ouais. Ah, je... Ok. What? On en a mis. Oh! En fait, je crois qu'il nous en manque deux en vrai. Hein, parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il nous en manque deux, les gars. On va réessayer. Parce que je me demande juste si c'est pas une question de vitesse. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est ouvert. Mais comme il y en a 4, je pense qu'il faut mettre 4 lumières sur notre outil. Et là, on en a que 2. Ah non non, ok. Non non, il nous en manque deux, donc je pense qu'il faut repartir en haut. Bon, je passe par là, je sais que c'est pas par là l'ascenseur, mais je regarde juste. Non là c'est d'où on vient, clairement, donc donc faut remonter au premier étage de ce magnifique bâtiment. Là. Ok. Donc ça c'est fait. Ah, ça c'est fait, hein, ouais. Tac, on passe par là. Merde, on s'est bloqué, évidemment. Là, il y a un passage, mais je sais plus s'il faut descendre ou pas, je me rappelle plus. Non. Il faut qu'on retourne là où il y a le tube là. Bah voilà, c'est celui-là justement qu'on peut changer de direction et aller dans une autre salle normalement. Oh, je suis perdu. Ok. Là on est là. Ok. Donc. Ah putain, j'ai l'impression que ça, on est inversé, donc je sais plus. On va essayer celle-ci. Je crois que je l'ai pas faite encore. J'ai faite celle-ci ou pas? Ah, je l'ai faite. Je l'ai faite, donc ça va pas. Donc c'est pas celle-ci déjà. Ah, là, il y a un truc. What? Je dois faire quoi là? Je l'abreuve de fluide vert.
sais pas, j'imagine qu'il faut tous les faire, les 4 là. Oula. Ok, celui-là il est... Je sais pas, celui-là il reste longtemps. C'est bizarre. Celui-là il reste longtemps en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. C'est quoi le délire là ? Faire quoi en fait ? J'ai pas compris ce qu'il faut faire, mais il y a peut-être un autre truc à faire avant. Ok, bon, je pense qu'il faut revenir là plus tard. On va essayer d'aller dans une autre pièce avec le tube là. Voilà. Ah d'accord, non j'ai mis du... En fait c'est le chemin que j'ai mis. Je vais pouvoir passer là. Je sais pas, c'est tout vert maintenant, c'est tout dégueulasse. Je sais pas, ça change quoi en vrai. Alors fais ça. Je sais pas, mais là il y a un truc qu'on a pas vu encore. Donc c'est cool. Ah yes, on va pouvoir mettre la troisième... Ok. Il va là. Putain, y'a un côté qui est caché, vous avez vu la gauche maintenant? Merde, j'ai pas eu le bon tempo, mais sinon c'est... je suis au bon endroit. Hein. Voilà. Ok, c'est celui-là. Faut juste attendre qu'il arrive au bon moment. Voilà, il va refaire un petit tour et après ça va être bon. Voilà, dernier tour. Ah putain, c'est celui du bas, il est caché mais c'est en bas en fait hein. C'est celui-là, voilà. Tac. Merde, j'ai pas eu le bon tempo. J'ai raté encore. Putain, je le foire à chaque fois, pourtant j'ai le bon. Ouais, c'est celui-là. Allez, allez. Putain, pourtant, je suis sûr d'être sur le bon. Non, c'est vraiment celui du bas, hein. Je suis convaincu. Regarde, tac, et là il fait le bruit. Ah, après, peut-être c'est pas celui du bas, hein. Peut-être celui-là, je sais pas. Non, c'est bon. Ça, en fait, c'était celui de gauche, en bas à gauche, voilà celui-là. C'était pas celui tout du bas. Tac. Ok, il nous en manque plus qu'une à trouver pour réactiver l'espèce de cœur là. Et ça sera bon, les gars. Ok. Donc, ça, c'est fait. Ça normalement par là y a rien à foutre. Donc on se casse. Je sais vraiment pas ce que ça, à quoi ça servait le truc vert là en fait. J'ai pas compris. Donc je sais pas sur lequel on va.
Celui-là peut-être. Ou celui-là. Je sais pas, celui-là. En vrai, je sais pas. Hein. En plus, je peux faire ça. Tac. J'ai l'impression de les avoir déjà tous faits, ça qui est un peu chelou, mais bon. Attends, je vais les... En plus, je peux faire des deux côtés, quoi. Tu peux faire l'aller et le retour. Eh non, celui-là, je viens d'y aller, je crois. Donc, clairement, c'est pas celui-là, je l'ai déjà fait. Il m'en manque plus qu'un, faut juste trouver le bon. Ça, c'est pour mettre de la sauce, là, mais j'ai pas compris pourquoi. Quel intérêt de mettre de la sauce verte ? Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas. Ok. Du coup, je sais pas, on va se faire celui-là. Hein. Je sais même plus lequel on a fait, on n'a pas fait. C'est un putain de labyrinthe, les gars. C'est un délire. Oh. Je suis pas allé là encore. Au premier étage d'ici. Hein. Ah si, peut-être. Ah, je sais plus. Ah putain, je sais plus. Ah si, si, on est déjà venu ici. On est déjà venu, mais. Je sais pas, je vais descendre pour voir. Je savais même pas qu'on pouvait monter à partir de là. Donc là, on est là. Tac, ça sert à rien pour l'instant. Il m'en faut 4, donc de toute façon il m'en manque toujours un là, un quatrième cercle. Donc je pense que c'est quand même en haut. Je pense. Ici je peux peut-être mettre ça là. Ah voilà, ok, il est là. Là c'est le dernier, c'est bon les gars. Le dernier en fait était juste à côté. Le dernier était juste à côté du... Et en plus, c'est le plus simple. Il était juste à côté du cadavre, en fait. Juste au-dessus. C'était le premier, en fait. Le premier était le dernier, en vrai. Je l'ai pas fait dans le bon ordre. Voilà. Et maintenant, j'ai les 4 lumières. Donc ça, c'est bon. Ok. En fait, il était juste voilà, à côté du cadavre. Collé, là. Ok. Du coup, maintenant, il faut qu'on retourne à la pièce où il y a l'espèce de cœur pour... le réanimer. Et du coup ça doit pas être très loin. Ça doit pas être très loin, les gars. Déjà elle est par là? Non, mais y a rien. Je pense qu'on peut reprendre l'ascenseur, en fait. On peut reprendre l'ascenseur et aller chercher la pièce là. Tac. Ok, on est arrivé là, donc là c'est bon. Je vais pouvoir descendre et activer le cœur. Ou en tout cas ce qui ressemble à un cœur. Allez, let's go! Voyons voir ce que ça va donner, on va encore tout niquer. Voilà, les 4 sont prêts. Ça a ouvert le bordel. Oh. Ok. C'est parti. What the fuck? C'est quoi ça? Encore. Wow. Ok, d'accord. Encore une putain d'énigme. Ok. J'ai rien compris encore, mais c'est pas grave, on va trouver. Eh ? Ah d'accord, je peux le retirer. Le mettre. Tac. Non, c'est pas ça du coup. Wouah, délire. Ça m'a l'air d'être un truc encore bien chelou, ça. Oh, d'accord.
What the fuck, c'est encore un délire, les gars. J'ai encore y passer une plombe. Ok, ok, faut capter le délire. Là, c'est des ouf. Tac, ok. Lui, il est bloqué là. Tac. T'es les mecs, eh, c'est des casse-têtes en fait. Là, on est plus sur des énigmes, on est sur des casse-têtes de ouf. Bon les gars, j'ai passé un bon moment aussi dessus. C'était pas simple. Qu'est-ce que ça va faire? Nous avons activé le cœur de la bête. Une jolie fleur. Wow! Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites? Y a des gens dedans les gars. Y a des gens dans les cocons. On va les réveiller. Nouvel outil. Oh, j'ai l'impression que ça nous permet d'ouvrir les portes, ça, non? C'est le même symbole en tout cas. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Monsieur? Monsieur, tout va bien? Monsieur? Je crois qu'il est mort. Vous êtes tous sortis de là ou quoi? Ah non, que lui. Bon. Ok. Donc on a un outil, les gars, pour ouvrir les portes avec des petits ronds, je pense. Donc allons trouver la porte. Je ne sais absolument plus où elle est. Putain, c'est pas par là. C'est pas par là du tout. Là c'est la sortie, ou en tout cas l'entrée, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Ce qui est sûr, c'est que... elle est là-bas. Elle est là-bas, les gars. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je pense que ça doit... pour moi, ça ouvre la porte, pour moi. Je pense que oui. Voilà, c'est bon. Ok. Ah, c'est un genre de badge, en fait. Voilà, donc là, on a le badge tout en haut à gauche. Super. Je suis pas serein, hein, je vous le dis. Je sais pas ce qu'on va découvrir, mais... du coup, je me demande ce qui est-ce qu'on va ressortir pour... du coup, maintenant qu'on a l'espèce de scanner. Voilà, tac. Tac. Ok, on va monter, on va descendre, je ne sais plus. On descend. Oh! D'accord. Ah oui. J'avais pas vu que notre corps a encore été modifié avec le scanner, quoi. C'est bon, on est arrivé. Oh, c'est dégueulasse. Putain, on est en train de se transformer, les gars. Wow, wow, wow. D'accord. Wow, wow. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On va se faire attaquer ou quoi, là?
Bonjour. Ah, c'était une genre de clé. Ok. Oula, opération. D'accord. C'est quoi ce délire? Oh putain, vous avez vu maintenant notre arme, elle est... On dirait un truc où on recharge nos... Je sais pas, on recharge quelque chose parce que... Vous avez vu en haut à gauche, c'est passé en rouge. Il y a 4 bulles rouges. Et 4 blanches. Alors qu'avant, elles étaient toutes blanches. Donc je ne sais pas. Est-ce que maintenant on a d'autres munitions? Je sais pas, j'ai pas envie de les utiliser. Je sais pas. Ok, on avance. Oh! C'est un peu différent là, les murs et tout là. Eh mais c'est pas la salle les gars, c'est pas la première salle, je vous jure c'est la première salle du premier épisode, c'était ici, je sais pas si vous vous souvenez. Cette grande salle avec ça au milieu là, justement avec les rails au sol, vous vous souvenez forcément. Et bah il y avait cette porte là, d'accord, donc en fait on est dans un... On est vraiment dans un genre de monde, on va monde ouvert, enfin vous voyez ce que je veux dire en fait. Les salles sont interconnectées entre elles, je pensais que à la fin du premier épisode, comme on s'est retrouvé à l'extérieur, je me suis dit bah on a changé de lieu tu vois. On est à l'extérieur, on est dans une autre zone, mais... Non, non, c'est... On est toujours dans la même zone, elle est immense en vrai. Surtout, vous avez vu l'extérieur tout à l'heure, c'était dingue. Donc maintenant qu'on est retourné dans la première zone et qu'on a le gadget pour ouvrir les portes, je pense qu'on va pouvoir accéder à d'autres sections. Je pense. Voilà. Typiquement, les gars, on a commencé l'aventure ici en fait. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était ici qu'on a commencé l'aventure et on a dû partir sur la gauche, mais c'est dès le début, dès qu'on se réveille. Mais maintenant on a le gadget, donc on peut ouvrir. On a le badge. Waouh. Ok. Un ascenseur, on est d'accord, ouais, on est dans un ascenseur, les gars. Et... Ah, très bien. Waouh, magnifique. Putain, les murs sont ouf. Oh. Changement d'ambiance. Ok. D'accord. Bon, on va aller voir par là. Ouh là là là, il y a des couleurs de partout encore. J'ai eu peur, je vous jure, j'ai vu un truc. What the fuck? Oh. Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh mon dieu! C'est immense les gars! Vous avez vu ça là-haut? Il y en a plusieurs hein! Moi, pour moi, il y a vraiment cette espèce de truc rouge là qui a pris possession de chez nous quoi. Ils nous ont envahi en fait, cette espèce de pourriture, de fioriture, de maladie, appelez ça comme vous voulez, mais pour moi c'est ça, je pense. J'essaye de comprendre en fait ce qui se passe. Et c'est ça aussi le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui on est. Mais je pense qu'on tient une piste. On est arrivé dans une nouvelle zone absolument affreuse. Bah les gars, je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai encore une fois vraiment kiffé. Cette ambiance est folle.
La direction artistique est... waouh, elle est ouf en fait. Elle est ouf et... putain, le jeu met la pression. Les énigmes sont vraiment pas faciles et vous savez que c'est pas mon fort. Donc voilà, j'essaye de prendre mon temps, bien analyser le truc. Mais voilà, j'espère que ça va aller. Que les énigmes vont, voilà, vont être gérables quand même. Donc non, franchement, c'est un kiff ce jeu, c'est un délire. J'espère que ça vous plaît les amis. Dites-le moi en commentaire. Le petit like pour soutenir la chaîne. Et on se revoit très bientôt pour la suite.